Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour montrer la caillou pour me porter pour toute dernière information à travers le pays d'Haïti, tant que l'autre bout de l'eau. Jeudi, nous c'est jeudi 21 mars 2024. Bienvenue dans la quatrième édition Journal Créole. Nous, qu'a présenté par Thierry Chérestal en collaboration avec VOA Créole. Actualité à sous plan national, Moïse Jean-Charles, leader parti Petit Dessalines, prend toute disposition pour voyer un représentant Petit Dessalines dans le CARICOM dans l'idée pour former conseil présidentielle transition dans le pays d'Haïti. Madame et Madame Dominique Dupuy, c'est Dame ça, lui-même qui est ambassadrice dans UNESCO qui représentait Haïti, qui est nouvelle représentant qui remplaçait Madame Marie-Justine Montpremier pour partie aider Red à compromis historique. Magistrat Eric Adams, lui-même, madame, mesdemoiselles et messieurs, c'est lui-même directement ensemble avec pasteur Al Chapton, lui-même qui voyait un appel pressé by Washington dans l'idée pour que Washington soit capable de gagner un marché pressé en faveur pays d'Haïti. On a parlé à et secrétaire général Nations Unies Anthony Blinken, lui-même ami internaute qui a fait une tournée en Égypte, qui va gagner pour qu'il capable rendre dans pays Israël pour capable joindre un cessez-le-feu de quoi pour que otage qui gagne dans même militant Amasio capable libérer. C'est tout point ça yo avec divers plot nous va gagner pour nous développer pour jeudi à dans journal ça rester connecté à nous yon façon pour bien informer. Une autre fois encore, bonsoir pour nous tous et bienvenue dans le développement journal SILA. Conseil en transition CARICOM, conseil présidentiel, ça, lui-même qui gagne pour que capable former et pour capable remplacer le Premier ministre Ariel Henry, gagne citoyen ça, qui c'est Moïse Jean-Charles, qui va décider de voyer un grand monde pour capable remplacer, pour capable et bien combler vide en dedans conseil en présidentiel CARICOM. Non, Moïse Jean-Charles a été cementé 7 fois, 77 fois, il n'a pas voyé un monde qui pour représenter le parti Petit Dessalines parce que lui-même, lui, pas dans la logique ça, parce que CARICOM représentait un cancer pour le pays d'Haïti, lui représentait un sensi, ensemble avec un gouvernement en place là, cap sous ces pays d'Haïti, lui, pas la donne. Eh bien, plusieurs partis qui fait ensemble avec un seul, ensemble avec Moïse Jean-Charles, yon tout te campé pour que CARICOM lui-même, yon pas arrivé joindre, eh bien, représentant bon côté parti Petit Dessalines. Sept membres parti conseillant présidentiel en transition qui pas de cap arrivé complet, eh bien, CARICOM lui-même arrivé joindre ni complet grâce ensemble avec Moïse Jean-Charles qui voyait représentant qui c'est Emmanuel Vertilaire, yon juge qui trouvait en dedans au cap, eh bien, qui remplace qui fait sept membres en dedans conseil présidentiel transition. Dans le moment où on a parlé, eh bien, il y a CARICOM qui déjà prêt pour que il capable voyer liste là par le Premier ministre Ariel Henry de façon pour que lui-même est capable de gagner un conseil ministériel pour que capable et bien préparer l'islam et vouer non plus grand journal en pays le moniteur d'ici demain et que conseil ça lui-même est capable installer gagner mes amis internautes madame Dupuy que c'est une nan moun qui remplace madame Marie-Justine Montpremier nan parti nan conseil présidentiel là nan conseil présidentiel transition côté que c'était Marie-Justine Gilles qui était là qui capable présenté raid aider ensemble avec un compromis historique et bien fois ça il après toute dernière information et toute dernière info amis internautes c'est madame ça qui a regardé sur écran qui c'est Dominique Dupuy qui c'est représentant et Haïti dans l'UNESCO et c'est lui-même qui remplaçait madame Marie-Justine Gilles madame Marie-Justine Montpremier en dedans conseil présidentiel transition en dedans pays d'Haïti. Gagné jusqu'à présent, non, on a parlé là, situation vraiment compliquée en dedans chaîne masse après nèg examen. Yo te décidé attaquer palais national, mais après au profil crasé pénitentiaire national, monsieur Sayo, même gang Sayo, yo décidé attaquer plusieurs
plusieurs commissariats et au prend commissariat Port-à-Léogane, commissariat Croix-des-Bouquets et sous-commissariat et poste de police marché Salomon avec plusieurs encore qui décidé craser banque et fois ça amis internautes yo même yo décidé attaquer madame monsieur dans moment pompiers et surtout palais national qui tout près yo et depuis aux environs de 2 heures yon latrie gang envahissent masse et la police nationale d'Haïti mettez koyo à terre mettez pied à terre pour qu'yo capable attaquer bandi sa yo qui décidé et bien craser population décidé craser une série de monde qui trouvé yo en dedans population. Entre-temps, nous voilà un vidéo capable tendre comment situation lui-même l'itéye amis internautes au niveau du champ de Mars aux environs de 2 heures de l'après-midi. Voilà, c'est ça. Chat descend là, ben oui, n'a pas. Voilà, c'est comme ça situation lui-même liée dans le pays d'Haïti et principalement en dedans de Chaudmas, et bien situation li extrêmement compliquée, madame, mademoiselle, messieurs, et jusqu'à présent, en pile monde a posé cette question, qui ça cap passé comme ça? Est-ce que c'est à palais national, monsieur, tu as décidé de mettre mes sous yo, ou du moins est-ce que c'est à madame, mademoiselle, messieurs, pompiers, vous décidé d'entreprendre, ou du moins est-ce que c'est à DDO, vous décidé d'entrer sous Chaudmas là? Capable finir ensemble avec lui, ça allait toujours été un point d'interrogation et pièce pour nous capable répondre question si là au moment opportun. Et bien nous joignons toute dernière info yo n'a capable faut qu'on ait qui sa situation lui-même lié au niveau de Chaudmas. Gagné la police nationale d'Haïti qui mettait la patte en sous plus que 15 courriers garçons en dedans Jacques Mellan principalement dans un bloc les Baudouin. Et bien 15 garçons ça yo que la police lui-même lio arrêté yo, c'est une série de nègres qui t'a trouvé yo dans circonstances côté que chaque matin aux environs de 4h du matin et jusqu'à 6h yo même yo al camper dans route pour capable fouiller toute population, moun qui pral l'école, moun qui pral travail, moun qui pral aller dans bureau et ça qui pral vendre dans marché, yo tout yo décidé attaquer moun sa yo, braquer yo et prendre tout ça qui yo gagné et la police li rive poser la patte sur yo et dans moment on a parlé a yo trouvé yo dans main de CPJ pour que même yo capable à répondre question la justice. Gagné tout dans moment n'a parlé a madame mademoiselle et monsieur gagné autorité baamé yo même qui rive poser la patte sous 263 et bien haïtien yo même qui t'a tenté pour que capable échapper pour lui quitter pays d'Haïti pour arriver sous territoire Bahamas là, et bien la autorité yo rive attaquer, yo rive prendre, yo poser la patte sur yo à tel point que nan moment n'a parlé a nous capable faut comprendre yo rapatrié et bien dans le pays d'Haïti, yo tout trouvé directement en dedans au cap haïtien. Gagné 263 moun et 263 moun sa yo, gagné 216 garçons, 44 femmes avec 3 timoun qui va au total de 263 moun et bien qui t'ap quitté pays d'Haïti pour aller madame mademoiselle et messieurs bien dans pays Bahamas et bien la police autorité Bahamien yo rivé poser la patte sur yo et dans moment là yo trouvé yo au cap directement la côté que yo même yo pour connaître comment yo pral faire ensemble avec tout monde ça yo qui tombé exactement au cap et gain tout. Premier ministre Bahamien, j'en vais regarder là sous écran, lui-même qui c'est Philippe Brave Davis, et bien lui-même qui prend toute décision le tout, et bien pour que lui fait qu'on est que dans le moment, quel que soit n'importe haïtien qui t'est arrivé, chapé pour lui ou t'a tombé sous territoire Bahamas là, et bien sans qu'il même yo pas légal, il fait carré rapatrié, il fait carré foué dans le pays d'Haïti, malgré situation li extrêmement grave, li extrêmement compliquée dans le pays.
pays d'Haïti. Bagala c'est tout côté, il est vraiment compliqué et gagner sami internaute, il y a gros disposition qu'a battre pour comment que au capable aider Haïti. Et ben gagner dans moment des citoyens ça, on regarder sur écran qui c'est magistrat Eric Adams dans pays d'Haïti ensemble avec révérend pasteur Al Chapton, yo même yo voyé yon message clair by Washington dans l'idée pour comment que yo capable prendre dossier Haïti à cœur pour capable aider Haïti à sortir dans crise que lui-même lié là. Et ben message ça, il fait qu'on est madame mademoiselle et messieurs et que c'est un message pour que Washington lui fait tout ça qui dépend de lui pendant crise Haïti lui-même lui a subi là. Et bien Haïti pas capable Haïti pas capable rester la donne, c'est pour yo faire tout ça qui dépend de yo et même pressé pour que yo capable aider Haïti humanitairement parlant, toute façon qu'il capable sorti dans ça qui oyé jodi a madame mesdemoiselles et messieurs gagné ce qu'on fini gagné secrétaire d'état américain Anthony Blinken qui trouvé le moment dans pays Égypte côté que lui-même li a fait une tournée et bien il va gagner pour qu'il capable retourner dans pays Israël pour que lui-même li capable à chercher joindre yon moyen yon possibilité pour capable gagner un cessez-le-feu en Israël côté militaire Hamas yo qu'est-ce ça qui pas jamais suspendre entre Israël ensemble avec Hamas nous même qui était commencé le 7 octobre 2023 et depuis lors quand c'était monde qui rivait à mourir et Israël s'est monté 7 fois 77 fois tout autant pas gagné yon là tout autant gagné monde qui dans militant Hamas yo qui existait qu'est-ce ça li pas jamais fini et gagné militant Hamas yo en début de tout yo même qui gagné un latrier otage israélien qui dans mayo yo même palestinien mayo et yo dit pas rien rien cap fait ou même yo ba moun sa yo et Anthony Blinken en beaucoup de parle li gagné pour qu'il capable rendre directement dans endroit pour comment qu'il capable joindre yon cessez-le feu et pour capable joindre et retirer et bien otage sa yo qui dans même militant Hamas yo pour aider yo à joindre libération. Voilà madame mesdemoiselles et messieurs, c'est tout point ça yo ak divers tout nous arrivé développer pour vous dans journal ça jodi a n'a rappelé au monde qui t'a pas présenté au journal là c'était zanmi ou Jerry Cherestal jodi a c'est quatrième numéro nous demain nous va gagner pour qu'il capable présenter ou dernier numéro nous pour ce maintenant n'a quitté ensemble avec la voix de l'Amérique pour plus de détails. Pays d'Haïti, Moïse Jean-Charles décide de voyer dans CARICOM, yon représentant Petite Dessalines dans cadre formation Conseil présidentiel transition, pendant que ambassadrice pays d'Haïti dans UNESCO, Dominique Dupuis, tourne représentant aidé. Magistrat New York Eric Adams ak révérend Al Chapton lancé un appel pressant by Washington en faveur pays d'Haïti. Et puis dans l'international, la secrétaire d'État américain Anthony Blinken, après l'Égypte, a bien pour aller en Israël, côté l'ap chercher yon cessez-le-feu dans guerre Israélo-Hamas la ak libération otage qui en Bamen militant Amasio. C'est pour ça yo, avec l'autre encore nous va le développer pour dans un petit moment merci d'esco choisi VOA Creole pour informer yo. Actualité à concernant pays d'Haïti, composition collège présidentiel transition a prend forme, ça pour gagner yon note officielle ni bon côté CARICOM ni bon côté Premier ministre Ariel Henry. Cependant à partir de parti politique yo, formation politique yo ak alliance yo, nous gon idée de composition conseil présidentiel transition, eh bien d'abord n'a dit que gagnait Edgar Leblanc fils qui représentait collectif 30 janvier, gagnait Leslie Voltaire qui représentait famille Lavalas, gagnait Fritz Alphonse Jean qui représentait Accor Montana, et puis Laurent Saint-Cyr représentant secteur Entreprisio, docteur Louis-Gérald Gilles, accord 21 décembre, ambassadrice UNESCO Dominique Dupuis, donc n'a pas capable Dominique Dupuis là, et puis, et dernier, c'est Emmanuel Vertiller qui représentait Petite Dessalines. Et dernier choix ça, qui c'est choix et leader Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, provoqué en pile réaction dans mi-temps classe politique là, et parce que eh ben Moïse Jean-Charles t'a dit dans une conférence pour la presse dernièrement là que li rejeté toute démarche que CARICOM pral fait. C'est comme ça que gagne en pile réaction, nous pral rejoindre correspondant à Port-au-Prince Renan Toussaint. Au niveau de cette masse, ça va passer là, comme ça, maman, ça va passer là. Ça va passer là.
Pendant qui est nous dans le pays? Ça passe là même. Ah. Et oui, mais c'est bruit à courir. Moi-même, c'est vendre, moi-même, je ne suis pas capable. Vendre même, ou bien là, quand même. Pression, ça, j'ai 60 ans sous tête, mais c'est qu'à vivre de lui. Je ne suis pas capable de pression, ça. Je quitte le mal là, quand même. Vous comprenez? Allez, ok, merci, il a pas de caméra. Non, pas. Là, c'est force de l'audio qui a appelé tout le monde Chan Mas pour quitter Chan Mas à voile. Nous allons rejoindre Konya Rouda Toussaint à Kounte annoncé. Nous avons une idée de tapter des bruits, coups de balle qui gagnent dans Port-au-Prince. Nous allons rejoindre Rouda Toussaint, c'est correspondant à nous dans Port-au-Prince. Quelques problèmes techniques empêchaient que nous joignions Rouda Toussaint et nous allons rejoindre Toussaint Konya là. Yon conseil présidentiel transition, trois membres avec ancien sénateur élu Grandens Guy Philippe nan tête. Fito Lafleur, qui c'est leader parti politique, société optimiste, lutte pour l'union, transparence, intégrité avec organisation Nation Solution, qui c'est tout coordonnateur général adjoint Rivet National pour souveraineté d'Haïti, mandé ancien sénateur Moïse Jean-Charles, qui c'est leader parti politique, Petite Dessalines. Explication Claire Coup de Lecoq par rapport à décision prend pour voyer représentant dans le conseil présidentiel cette même. Sénateur Moïse, c'est président parti politique national et international les Haïtiens qui vivent dans notre pays. Sénateur Moïse a défendu la révolution. Si je ne dis pas, il fait bac devant nation, devant population. Devant international, devant tout le monde qui a fait politique, il doit explication à peuple. Et c'est pour raison ça, nous pas anticiper rien de lui-même pour n'a dire rien, même quoi la presse a parlé avec Moïse Jean-Charles et Moïse Jean-Charles a dit clairement qui ça le fait. Fito Lafleur lancé appel reprise mobilisation pour faire communauté internationale là, notamment car il comme fait back sous installation cette bombe. Conseil présidentiel transition. Pas de rien qui a arrêté mobilisation. Et mobilisation, son mobilisation, moi dis nous, m'a répété encore, qui a gagné 193 partis politiques qui sont dans la masse qui est avec nous. Qui a gagné 4000 environ organisations sociales, une organisation sortie, un parti politique sorti. Ça n'a pas dit nous rien, n'a avancé jusqu'à la victoire finale. Pendant ce temps, préparatif a fait pour capable installer conseil présidentiel cette maintenant dans le palais national après que Petite Dessalines fin accepté voyez non M. Emmanuel Vertiller comme représentant. Bonne à tous pour VOA Creole, Port-au-Prince. Merci Rouda Toussaint, c'est réaction qui sortit après que leader Petite Dessalines Moïse Jean-Charles lui-même lui prend en décision qu'on y a voyé yon représentant Petite Dessalines dans conseil transition conseil présidentiel transition et qu'on y a nous pral rejoindre correspondant nous Massiado Vilmé parce que capitale pays d'Haïti a Port-au-Prince toujours été tendu côté que grand pile coup de zame capturé. Massiado, dis-nous côté là qui j'en sais. Moi-même, moi, trouvé au niveau de Chan Mas et tout cela, à quelques mètres de Palais National. Nous avons parlé ensemble voilà, depuis deux heures dans l'après-midi, bien, coup de balle, parce qu'ils sont chantés dans toutes directions, Palais National, soit au niveau de Bel Air, soit au niveau de rentrée sud capitale là. C'est coup de balle qui a chanté. Sauf que nous connaissons à qui intention, mais la police lui-même gagnait. Agent Udmoyo, gagné police qui affecté dans le commissariat pour au président lui-même. Il a regardé dans quelle mesure il est capable de repousser et groupe civil armé qui a tenté
envahi et capital là. C'est comme ça la situation y est. Mais mon appel en ce moment voilà, c'est chaque monde qui a essayé de rentrer la caillou. Plus monde qui n'a pas périmètre palais national là, c'est policiers ensemble avec quelques confrères journalistes qui dans zone ça, avec quelques machines qui a regardé puis ouais qui gens sont capables de chercher direction la caillou avec monde qui est de l'autre direction commune Carrefour qui pas occasion de machine pour aller la caillou. C'est comme ça pareil. Mais selon l'information que nous-mêmes nous sommes capables de vérifier, nous allons faire connaître au niveau de Delma tout, gagné et groupe civil armé, même tout, qui a attaqué le bâtiment qui est estimé, qui s'est unité en disant la police, ma soeur Rive Jeannot. Mais il faut nous dire que depuis le 29 février, a gagné une grosse menace qui planait sous commissariat pour au Prince, ensemble avec sous palais national. Pour attaque aujourd'hui, nous pas qu'à dire, non qui intention que monsieur a fait attaque là, mais sauf que nous avons dit, c'est coup de balle qui a choqué dans tout. Direction au palais national, le moment n'a pas lancé ma volée là, j'attends de l'hiver. Et Massado, est-ce que dans le coup de balle ça a capturé? Est-ce que gagne moun, yo ta recensé qui victime, ou bien moun qui t'a blessé, ou bien moun qui t'a mouru, ou bien qui en sait, est-ce que gagne incident? Sujet par Jacques Belizier, moi j'ai réussi à identifier un jeune garçon qui prend un cartouche dans pied ou derrière la police, il y a un agent police qui t'a aidé bah les premiers soins pour être capable de prendre direction l'hôpital, mais il y a quelques confrères, il même tout qui dit nous, il arrive compter l'autre monde qui blessé tout et en bas football. Parce que c'est toute qualité balle, on est capable de faire des noms, on a parlé là, on s'en va là. Vous savez, le coup de balle qui a choqué là, c'est tout. Qualité balle qui a tiré dans mon moment là Jacques Belizier zone là c'est remettre son massacre complètement déserté à part des quelques agents Idmo ensemble avec police qui affecté dans sous commissariat et dans commissariat de Port-au-Prince qui a cherché pour ouais qui gens yo capable arriver repousser groupe civil armé surtout dans notre sud capitale là qui a avancé à grand pas sous commissariat de Port-au-Prince. C'est pour ça situation après Jacques Belizier. C'est comme ça la situation est, c'est toute unité dans la police, même qui est obligée de mettre les pieds à terre pour voir qui sont capables de bien contrôler la situation, Jacques Belizier. Merci Massado. Massado Vilmé, c'est correspondant service que là, dans Port-au-Prince, nous sommes capables de coups de balio capturés dans la zone Chonmas, tout près par les nationales, côté, d'après ça, Massado Vilmé dit nous, et bien, il y a toute unité de police nationale là qui est même en action pour être capable pour essayer de reprendre contrôle totalement capitale là. Et puis devant violence ça yo dans région métropolitaine surtout, et bien un gouvernement qui décide lui-même prolonger couvre-feu à sortir 7h du soir pour arriver 6h du matin jusqu'à samedi. Yves Manuel, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. Gouvernement haïtien étend couvre-feu à dans département l'Ouest qui est la donne capitale pays d'Haïti Port-au-Prince jusqu'à samedi de 7h dans l'après-midi pour arriver 6h dans le matin en raison de niveau violence là qui très élevé. Force l'audio, pompiers, ambulanciers, personnel médical et journalistes qui identifiés exemptés de mésissa. Toute manifestation publique interdit la journée en cours la nuit dans le département l'Ouest. Agent police nationale, yo gagné pour responsabilité fait appliquer couvre-feu et arrêter tout silayo qui pas respecté une façon pour établir l'ordre et reprendre contrôle situation. Depuis mois février que saute passé là, violence là vient plus grave dans le pays d'Haïti, notamment dans Port-au-Prince, côté gang Améo contrôlé à plus de 80%. Diverses attaques dans plusieurs quartiers pas suspend répétées. Population en tête collée avec la police lancé une opération pour chasser bandits, ça qui aboutit pendant journée mercredi à la mort 4 bandits parmi eux chef gang Pétionville. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Merci Yves Manuel devant situation ça qui très compliquée, très catastrophique dans le pays d'Haïti. Et ben gain en pile mesure que République Dominicaine prend sous frontière li et il fait déportation massive et gain moun tout qui est haïtien qui en République Dominicaine qui eux même pas tant que poussé par la force mais eux même ils prend décision et y aller pour compte yo. Et nous gain envoyé spécial nous Jean-Robert Philippe lui-même qui a fait un tour dans la République Dominicaine qui rencontré tout avec des entrepreneurs haïtiens qui trouvaient au sous-sol dominicain qui eux même t'a préféré que yo fait business la kayo dans pays yo dans pays d'Haïti mais malheureusement situation pas prêtée à ça. Jean-Robert Philippe parlait avec entrepreneur haïtien ça.
Pendant une visite nous avons fait dans Santiago de los Caballeros, en République dominicaine, et bien nous avons rencontré avec quelques entrepreneurs haïtiens qui ont dit nous qui ont eux-mêmes la situation politique là dans le pays d'Haïti. Une d'un eux, c'est Roberto Pierre-Paul, un entrepreneur qui a géré un restaurant lié à la Manjaye. Pour lui-même, la crise du pays d'Haïti a ses résultats inégalités sociales et économiques qui existent dans le pays. Nous avons invité que tout le monde carré comme vous, peut-être je ne sais pas si vous parlez avec les gens pour parler. Peut-être que pas une réalité ça qui a passé en Haïti. Vous pas une vraie réalité. Parce que la réalité, il faut passer à Haïti, faut descendre dans le ghetto, faut passer Cité Soleil, faut passer Delma 2, faut passer La Saline, faut passer une série de côtés pour comprendre. Ça qui éclate là, c'est pas jodi à l'île. Son va être bourgeonné là, bourgeonné. Mais bon, tout bien. Haïti kou baye la dan, gen des fois tout sowe a. C'est pas ça lié. Nous t'ai parlé avec deux frères jumeaux qui travaillent dans le secteur immobilier. Entendez, yon après l'autre, Leader Love Edouard Constant avec frère Leader Lee Edouard Constant et tous les deux dis-nous c'est avec tristesse y a vive depuis République Dominicaine situation pays d'Haïti a traversé. Solution c'est pas les mon apprendre décision. Ouais ça me les là non solution c'est là comme sous senti peuple la conscient. Pour jusqu'à présent avec tout respect et franchise pour moi même peuple haïtien pour qu'on conscient. Parce que à chaque fois un mouvement politique, à chaque fois une décision, c'est pas vraiment peuple là qui prend, c'est un monde qui prend décision pour lui. Même que nous c'est domaine là n'a fait business. Mais à force que même si on pas la dit tête comme ça on pas de plan pour la Haïti qu'on a non, mais il suffit autant de le faire ou ça prison, ça en prison. Au moins ça me dit assez on a bagaille que comme si que m'taime que n'importe monde cap garder que nous pas dans m'ta on commence à agir n'importe parole même si par exemple ou ta gagne 3 4 followers même si pas gagne mon pile monde qui connaît mais voir compter pour chaque voir compter en pile faut qu'on parler faut qu'on écrit faut qu'on dit son bagaille parce que n'importe ça ou dit qu'a changer mentalité monde qui dans entourage. Effectivement, gens se tendent là, les immigrants ont manifesté espoir que un jour ils sont capables de retourner en Haïti. Ils ont dit que l'argent qu'ils ont investi en République Dominicaine, ils étaient capables d'investir tout dans le pays d'Haïti, mais ils posaient une condition, que les conditions de sécurité soient améliorées. Depuis Santo Domingo, République Dominicaine, Jean-Robert Philippe, VOA Creole. Merci Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe s'est envoyé envoyé spécial service créole là en République Dominicaine. Donc dossier Haïti à tout partout, notamment par exemple dans les Nations Unies côté Conseil sécurité a lui-même lui réitéré bon gens soutiennent pour un processus politique que haïtien yo a dirigé et yo exhorté toute partie concernée yo dans pays d'Haïti pour yo continuer favoriser un consensus qui large en pile grâce à un dialogue qui permettait monde dehors qui entre tout monde là-dedans notamment avec soutien CARICOM avec groupe intégré Nations Unies tankou BINI bureau en Haïti a n'a parlé bureau intégré Nations Unies et ben il doit permettre organisation élection législative et présidentielle libre et équitable avec participation pleine et égale, significative pour toute femme avec jeunes. Donc, une autre fois encore, c'est l'Organisation mondiale, là, on a parlé de Nations Unies, qui lui-même réitéré soutien en faveur d'un processus dans le pays d'Haïti qui est capable de déboucher sous élection juste, honnête et démocratique. Et puis, dans New York même, toujours dans New York, magistrat à New York, là, Eric Adams, avec révérend Al Sharpton, ils ont lancé un appel pressant by Washington en faveur Haïti. Valérie Saint-Louis trouvé dans New York. Révérend Al Sharpton ak magistrat ville New York la Eric Adams te fait une conférence pour la presse accompagné avec quelques leaders religieux dans communauté haïtienne ak l'autre communauté dans New York pour mander les États-Unis pour faire plus effort toujours pour aborder situation crise humanitaire en Haïti. Nous rassembler ensemble avec quelques gros leaders religieux dans communauté nous particulièrement dans communauté haïtienne avec l'autre communauté yo. Yo mettez tête ensemble pour faire face à crise humanitaire exorbitant ça qui continue en Haïti. Dans le moment que monde a fait face à plusieurs autres crises dans le Moyen-Orient et dans l'Ukraine, dans l'hémisphère panouan, il y a un règne latéral qui n'est pas adressé dans la façon dont nous sentons que l'État doit adresser. Dans discours, révérend Al Sharpton a abordé la question du trafic d'armes en Haïti ensemble avec le déploiement force MSS. Il y a des reports que le trafic de gun trafficking from Florida
is providing arms for the gang. Rapport qui sorti qui montrait que trafic zam a sorti dans l'état Floride pour y joindre gang. Il y a une proposition qui fait pour pays Kenya pour voyer 1000 militaires en Haïti pour aider stabiliser situation. Il y a quelques républicains qui bloquaient financement proposition ça. Le comité affaires étrangères congrès. L'agence ça doit débloquer immédiatement. C'est comme ça Al Sharpton t'est parlé. N'a rappelé que dans commencement mois ça, gang armé qui vient augmenter pouvoir yo dans dernière année ça yo, t'est profité absence premier ministre Ariel Henry pour faire plusieurs violence attaque infrastructure qui la donne commissariat la police ak bureau gouvernement yo. En bas pression internationale, Ariel Henry te bloqué dans Porto Rico, li pa ka retourner en Haïti et Ariel Henry qui pat élu te annoncé démission li en attendant nomination yon conseil présidentiel et remplacement li par yon l'autre premier ministre provisoire. Mais conseil présidentiel la presque fin nommé. On sa tout présence internationale en Haïti baissé pendant que insécurité a monté. Bon côté pal, magistrat Eric Adams te parlé pour dire conflit captant mais en Haïti a, c'est un gros problème tout pour ville New York là. This is very much a New York issue, and it is an issue for the entire national government because ça c'est un gros problème tout pour New York et puis c'est un problème pour tout gouvernement national là parce que ça c'est hémisphère pas noir. L'important en pile que nous fait face à problème ça yo dans Gaza et fait face à problème dans Ukraine avec tout quelque l'autre guerre qu'a fait sous scène mondiale noire. Mais ça c'est dans la cour noire, c'est dans la cour noire ça passé et en pile dans résident Haïti yo sorti dans ville New York, Miami à l'autre côté dans Amérique là et li impératif pour nous gagner une réponse immédiat à crise ça. Nations Unies avec ambassade américain et canadien ont déjà retiré employé en Haïti mois ça. Pendant le week-end, la République dominicaine qui partage les îles Hispaniola avec Haïti a évacué plusieurs douzaines de citoyens liés par hélicoptère. N'a pas rappelé tout que environ 17 000 personnes ont quitté la zone métropolitaine Port-au-Prince la semaine passée. Après estimation Nations Unies, en pile n'a été déjà déplacé. Pays voisins ont été obligés de renforcer les frontières et plan pour une intervention internationale que le gouvernement Haïti a demandé dans l'année 2022 que Nations Unies a ratifié ça fait presque 6 mois. Jusqu'à présent, il y a eu la donne. Révérend Al Sharpton a dit que pral monte dans Maison Blanche pour parler avec quelques responsables sous situation pays d'Haïti. Dans parmi les communautés haïtiennes qui ont participé dans la conférence pour la presse, nous avons remarqué présence pasteur Leslie Thomas, avec toute présence docteur révérend pasteur Sam Nicolas de Evangelical Crusade Christian Church qui est dans Brooklyn. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, depuis New York. Nous avons quitté New York et nous parlons de Nairobi, donc dans le pays Kenya, pour nous capables de gagner une idée sur qui est la population du pays Kenya, avec autorité et tout, qui est la question force qui est pour déployer dans le pays d'Haïti. Sandra Lemaire, gagne détail. Citoyen Nairobi, très passionné par rapport à possibilité pour Kenya d'envoyer policiers en Haïti. Why are you sending police instead of pour qui n'envoyer la police ou le militaire pour un bagage comme ça? C'est question PAM. That's my question. Ça pas fait rien parce que n'a perdu moun nou remè. Kenya a pas de pouvoir tant qu'au pays tant qu'aux États-Unis. I think that's a noble idea. Quoi c'est une idée noble parce que nous tous ces chrétiens vivants, mais nous n'a plein pour le processus là. Nous devons encourager le gouvernement au moins respecter la décision tribunal là. Président William Ruto, qui signe un accord bilatéral mondaptant depuis longtemps avec le premier ministre haïtien Ariel Henry pour paver chemin pour déploiement 1000 policiers kenyans, insiste qu'il prend bonne décision. Force là que l'ONU appuyé t'a aidé Haïti rétablir sécurité. It is a mission. C'est une mission pour l'humanité. C'est une mission en solidarité avec frères et sœurs en Haïti. In Haiti. Cependant, après signature à Koa, te gen gros affrontement entre la police nationale Haïti à gang qui t'a empêché Henry retourner dans le pays. Yo te éventuellement poussé deux premiers ministres là pour le bail démission aussitôt que conseil transition présidentielle là va en place. Avocat Ekuru Okot, c'est même groupe qui déposait une pétition devant Cour supérieure Kenya pour dire déploiement policier yo pas constitutionnel. First of all, it's a bogus agreement. Premièrement, c'est un faux accord parce que les pagains aucune légitimité légale ni représentation. Pour Ariel Henry signer un contrat, faut qu'il ait capacité pour signer un contrat. Gen l'autre problème tout par rapport à ces missions pral capable avancer à cause toute demande légale qui pour qu'au fin satisfait.
Le Jovenel Moïse était mort en 2021. Henri était supposé diriger le pays pendant 120 jours. Pour le prendre rôle premier ministre, d'après la Constitution Haïti, il faut qu'il ratifie, vérifie et puis recevoir approbation parlement. Ça n'a pas de jambes fait. Donc, question, c'est qui est-ce qui signe un constat en réalité avec République Kenya? Consultant sur sécurité George Moussamali dit faut que Kenya repense question Haïti. Ça moun pas comprendre ces raisons pour turbulence là. Songez nous t'ai commencé parler de problèmes en Haïti en 1805 après déclaration indépendance. Jusqu'à présent Haïti pour que jambe gain la paix et puis solution a proposé yo. Est-ce que yo ba résultat? So basically the solutions that we've been putting on the table, are they working? Qu'il y a plusieurs interventions étrangères que les États-Unis et l'ONU font qui n'ont pas de bons résultats. Il est pour essayer un bagage nouveau, monsieur dit. Kali. What they are going to do is to deal with the same people call gangs. En général, ça y a essayé faire c'est négocier avec même moun yo les gangs que intervention américaine 1815 t'ai essayé sans résultat. Nous essayons encore en 1994, ça pas marché. Nous essayons encore en ballonu en 2004, ça pas marché non plus tout. Dans le moment côté Zak violence gang yo a créé une situation chaotique en Haïti, Moussoumali dit il est difficile pour eux qui gens ont intervention militaire ou policiers pour le bail résultat. Reportage Mariama Diallo, Nairobi, Kenya. Traduction Sandra Lemaire, VOA Creole. Et puis, dans l'actualité internationale, il y a un secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui a fait un voyage, sixième voyage dans la région Moyen-Orient. Il est déjà passé en Arabie Saoudite, jeudi alté en Égypte et demain en Israël, avec deux objectifs précis, joignons cesser le feu et puis, deuxièmement, joindre libération otages qui n'en met les militants Hamasio dans Palestine et qu'on y a nous pral dans le département Nord-Pays, côté n'a pas rejoint Gérard Maxino qui a parlé de Bahamas qui refoulé un paquet de monde qui a essayé d'entrer illégalement dans Bahamas, mais dans conditions très difficiles. En alloué ça. Malgré la trouble qui gagne dans le pays d'Haïti, Gatcote Bahaméen, vous retournez mercredi 20 mars 2024, il y a un total de 264 compatriotes qui ont été kembe sous la mer. Rapatrio expliqué, ils ont débarqué pas de paix. Semaine qui s'est passée. Alors, nous sommes sortis sur port de paix, nous avons embarqué dans des bottes, nous avons environ 42 000, nous avons embarqué dans des bottes. Pendant que nous sommes arrivés dans Nassau, Bahamas, et c'est comme ça, et l'immigration est arrivée, Kimbélou est arrivée pour nous. Et le SAR est rentré avec nous, et nous avons vu nous-mêmes. Et c'est là que nous avons passé quelques temps. Et puis après ça, j'ai été obligé de faire nous prendre l'avion. Personnellement, je déclare l'avion. L'avion a été 16 mois. Et puis on allait dans une zone qui nous a été déclarée. Puis il faut que nous déclarions ces situations malouques que les pays ont trouvées là-dedans, là, qui fait qu'il y a risque de vivre dans la mer. Ah bon, je ne sais pas si la sécurité n'est pas un travail. Les jeunes gars sont des petits membres qui ne peuvent pas faire des activités. Je ne peux pas travailler dans la vie. Presque tout rapatrié dénoncé mauvais traitement yo sibi nan men autorité Bahamas yo à ta même femme yo t'arrivé violé pendant yo t'était dans prison. Dès nous rivé qui est moun k'ap maltiriser nous ban nous calotte coup de pied frappez nous à terre. Bon, il y a même 10 personnes qui ne pas jamais pour qu'on y a. On va nous en pile coup, on crase nous en pile, les filles et tout. Ils nous maltraitent. Ils nous tellement maltraitent, nous ne pouvons pas faire tout ça pour nous faire. Nous nous dormons, après venir, on va nous coup. Ils frappent nous de tous côtés, ils lèvent nous frappent à terre. Nous n'avons pas bien dormi, nous mettons nous dormir à terre sans nous pas avoir un tabac, nous mettons nous dormir sur mon pied pour là. Si Pifon rapatrié dit, il n'y a pas pour faire expérience encore, il y a ça qui pose tête aux questions, ça il va le faire dans le pays d'Haïti. Nous avons fait un cabal, et surtout nous avons fait un cabal. À cela, nous n'avons pas bénéficié de la caillou, pour participer à la caillou, rien. Mauvais, nous n'avons pas rien. Chaque rapatrié recevra une enveloppe dans les OIM. Pour capable tourner la caillou, moun de capable remarquer plusieurs proches rapatriés qui deviennent chercher dans base Gatcote au Cap-là. Gérard Maxino, Cap-Haïtien pour la Voix de l'Amérique.
Et puis, qu'on y a actualité à mener dans le pays Brésil, côté ancien président Jair Bolsonaro, qui a un problème avec la justice, mais il était très populaire dans le pays Brésil, Serge Rodriguez. Ancien président brésilien Jair Bolsonaro a marché Jean-Vlé et Jean-Pipito dans le Brésil, malgré l'autorité dans la nation plus peuplée Amérique du Sud-là, suspecte comme quoi l'État gagne trempé dans un projet coup d'État. Bien que l'ancien président bago menace, il n'y a pas d'apparence un politicien qui paraît pour le bat-bat. Pour bien dire, l'autorité brésilienne, bien capable d'inculper champion zèle extrême droite 69 ans ou bien poser arrestation li n'importe qui l'est. Plusieurs anciens chefs dans l'armée brésilienne baillent des positions qui longent droite sur M. Bolsonaro, comme quoi l'État impliqué dans un complot pour qu'il pouvoir après défaite de l'élection 2022, élection qui était mise face pour face à candidat gauchiste Luiz Inácio Lula da Silva. M. Bolsonaro a rejeté l'accusation catégoriquement, accusation qui est considérée comme une persécution politique. Bien entendu, le Brésil a paré pour organiser l'élection municipale avant longtemps et drôle de coïncidence, c'est seulement 3 points qui séparent le président en fonction Lula da Silva. En tout cas, ancien capitaine de l'armée 69 ans, toujours été un symbole pour citoyens qui sentit que l'élite politique l'a pas représenté, d'après analyse politique Mayra Goulard. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Merci Serge Rodriguez, nous sommes pratiquement arrivés dans la fin du programme. Non? C'était un plaisir l'autre fois encore pour nous te servir et nous excusez-nous pour quelques problèmes techniques qui étaient dans le commencement du programme. Non? Et c'est les aléas du direct qu'on dit en français. Donc c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous te servir. Gagner Organisation mondiale, on a parlé de Nations Unies, on l'autre fois encore, qui prend position par rapport à la crise qui a traversé le pays d'Haïti et l'y encourager pour gagner un processus politique qui largement large que haïtien eux-mêmes ta prend tête li et yo mandé pour haïtien collaborer avec CARICOM communauté caribéenne pour capable joindre une solution qui ca déboucher sous élection honnête et démocratique dans pays d'Haïti avec intégration femmes intégration jeunes. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, n'a pas rendez-vous demain sous VOA Créole pour l'autre programme encore. Merci pour attention nous. Merci, moi c'est Jacques Belizère. Bonsoir.